Quand une personne n'a pas d'espoir que sa situation s'arrange, alors elle n'a pas de perspective. Elle ne voit pas comment les choses peuvent évoluer. Et ça, c'est le mal de la génération. C'est-à-dire que quelqu'un, il vit que le fait qu'il n'ait pas d'enfant, ou le fait qu'il ne soit pas marié, ou le fait que ça fait quelques années qu'il n'arrive pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins, s'il n'arrive pas à sortir de cette situation, alors qu'il a apparemment tout essayé, qu'est-ce qui se passe? Il tire comme conclusion qu'il n'y a, y a, y a pas d'espoir. Et s'il n'y a pas d'espoir, ça veut dire qu'il se trouve dans une situation très dangereuse. Cette situation très dangereuse, ça veut dire qu'il peut dégringoler. C'est quoi dégringoler? Ça veut dire que quand quelqu'un, il n'y croit plus, quand quelqu'un, il est triste, alors le Yetzer Hara, il va essayer de l'embarquer, il va essayer de lui faire faire toutes sortes de choses qui sont des choses, en fait, qui sont très, très loin de lui-même, qui sont très, très loin de ce qu'il est vraiment, qui sont très, très loin de ce que lui pense vraiment. Et il va l'emmener dans des précipices, il va l'emmener dans des endroits qui sont des endroits qu'il n'avait certainement jamais fréquentés. Alors il dit Rabbi Nachman, contre cette plaie qui s'appelle la tristesse, évidemment, il faut faire un travail qui est un travail de joie. C'est-à-dire, il faut emmener la joie dans sa vie. Et là, dans cet enseignement, qu'est-ce qu'il explique? Comment est-ce qu'on peut trouver la joie? Simplement en trouvant un peu de bien. Et ça, c'est une révolution parce que des fois, on voit qu'il y a tellement de mal. Il y a tellement de mal. On se dit, mais même s'il y a un peu de bien, c'est rien ce peu de bien. Eh bien, ce peu de bien, ce n'est pas vrai que c'est rien. Ce peu de bien, c'est beaucoup. Parce qu'un peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Vous voyez, si vous rentrez dans une pièce et que vous allumez une bougie, cette toute petite bougie, ce tout petit point de lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il repousse l'obscurité qu'il y a dans la chambre. Ah, c'est sûr, la chambre n'est pas complètement claire, ce n'est pas comme s'il faisait grand jour, mais déjà on y voit, déjà on voit quelque chose. Et c'est ça la Nekuda Tova, c'est ça le point positif. On doit tous faire ce travail. Ce travail de chercher chez les autres, évidemment, et chercher en nous un point positif, parce que grâce à ce point positif, déjà, on a un point de départ. Ce point de départ, c'est dire, « Ah, mais il y a du bien en moi. » Ce bien en moi, ça veut dire que demain, j'ai un espoir, que les choses, elles peuvent s'améliorer, les choses, elles peuvent changer, les choses, elles peuvent évoluer. Et quand j'ai trouvé un point positif, alors, déjà, peut-être que je ne serai pas dans une très grande joie, mais au moins je ne vais pas tomber. Et si quelqu'un ne tombe pas, si quelqu'un conserve un minimum de vitalité, alors le lendemain, après avoir essayé de prier, après avoir essayé de demander à Dieu de l'aider, alors peut-être que Dieu va l'aider à ce moment-là. Peut-être que ces 24 heures, ces 48 heures, cette semaine, ce mois, ces quelques mois qu'il a réussi à attendre en conservant un minimum de joie, tout ce qui pouvait rester dans la joie, alors avec le temps, à un moment donné, celui qui tient le coup, Dieu il aide. Dieu il aide parce que c'est vrai que Dieu, des fois, ça ne vient pas tout de suite, ce n'est pas instantané, même si on prie, même si on demande, ce n'est pas en 24 heures qu'on reçoit une solution immédiate, même si Dieu il voudrait nous aider, et il nous aide, mais même on ne le voit pas, mais c'est-à-dire ce que nous on attend, le déblocage qu'on attend, souvent ça n'arrive pas tout de suite. Alors quelqu'un qui arrive à tenir, qui arrive à attendre, et en attendant, il conserve la joie, et s'il conserve la joie, il conserve l'espoir, il conserve la possibilité de prier, et chaque jour de demander et d'essayer de voir le bien, alors à ce moment-là, dit Rabbi Nathan, que un jour, la solution va venir. Dieu va lui envoyer un déblocage. Pourquoi? Parce qu'il a tenu. Il a tenu le coup. Et comment on peut tenir le coup? En étant joyeux.